Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Attendez un peu. Quel est le message? Voyons. Quel est le message pour toi aujourd'hui? L'eau, le pichet d'eau, le verre d'eau. On nous dit quoi? De prendre de l'eau aujourd'hui, de boire de l'eau. Bon. Reculer. Bon, je rencontre une personne qui, peut-être, ne boit pas beaucoup d'eau. Tout simplement. Elle oublie souvent de boire de l'eau. Allons-y, continuons. Effondrement, échec, rupture, destruction, la fin d'un cycle, la fin de la destruction. Allons-y, continuons. Continuons d'explorer. Allons-y avec ces cartes. Reculer. La paix pour bientôt, là, ici. On arrive à la fin. La fin du voyage, la fin de la destruction. Reculer, on nous dit quoi? La prison. Prisonnier de nos peurs. On évite reculer, émotion haut. On évite de contacter nos émotions, on a peur, beaucoup de peur ici. Prisonnier de la peur. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui fuit ses émotions. Ici, on nous présente une sœur, une amie, une conjointe. Allons-y, continuons. Sur la carte du bouleversement. Bon, il est question de quoi avec l'argent? Et la destruction. Changement inévitable. En dessous du paquet, séparation, fin. C'est terminé. Il y a quelque chose ici qui prend fin, réellement. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec cette carte? Je vais y aller avec une noire. Parce que là, on pourrait facilement me parler de faillite. C'est l'effondrement. C'est la fin d'une histoire, la fin d'un projet, la fin. C'est la destruction. Bon, ici, on me parle de quoi? D'abus de confiance. Ici, je rencontre une personne qui a acheté avec l'argent. Qui a acheté des personnes avec l'argent. Une manipulation. Une personne rusée ici. Donc, on a utilisé l'argent pour arriver à nos fins.
Beaucoup de colère ici. Là, aujourd'hui, on n'a pas le goût de parler avec cette personne qui nous a manipulés, utilisés pour atteindre son objectif. Mensonge. Destruction. Terminé. Je vais piger une carte maintenant sur l'univers. C'est l'énergie d'une femme. C'est une femme qui est ici. Manipulatrice. Ici, c'est la fin. Donc ici, la fin d'un accomplissement, la fin. C'est terminé. La fin d'un voyage, la fin de ses méthodes, la fin de sa ruse, la fin, c'est la fin! C'est terminé! Allons-y maintenant avec un message de mon oracle de l'âme intuitive pour cette personne. Attendez. Allons-y. Travaille. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Certains individus arrivent dans notre vie pour nous conduire vers le succès. D'autres seulement pour activer le succès. Nous atteignons le succès nous-mêmes par le travail constant, la détermination et la concentration. Cette personne que je rencontre aujourd'hui, c'est ce qu'elle voulait, le succès, l'accomplissement. Et elle a utilisé une méthode rusée pour arriver à son objectif, à ses fins. Nous sommes stimulés par la passion, l'amour et le désir d'accomplissement. Nous attirons ceux qui peuvent nous aider sur notre route. Le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. C'est ce qui se passe ici. Échec. On a joué dans quoi? Avec la prison, on peut se demander. On peut se poser la question, on peut se le demander. Donc, le travail d'équipe rend chacun plus fort dans l'atteinte des buts communs, que ce soit par un apport financier ou par l'appui des autres. Une seule personne peut faire échouer une équipe. Alors, soyez un bon coéquipier ou bien œuvrez seul et soyez solide, car vous avez travaillé fort pour être là où vous êtes maintenant. Bien, ici, pour la personne que je rencontre, qui a été rusée. Mais c'est la fin ici. C'est la séparation, c'est terminé. Le cycle s'arrête là. C'est la carte du cercueil. La fin d'une magouille, la fin d'une magouille. Voilà. D'une manigance. C'est terminé. Bien, je prends une pause ici et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine.